J'ai juste une envie, c'est de vivre normalement, mais en fait je peux pas parce que tout ça c'est sorti publiquement et évidemment ça fait partie de ma vie aussi. Je suis un personnage public, j'en fais des profits toute l'année, donc je dois en payer aussi les conséquences de temps en temps, ça fait partie du jeu. Mais par contre, j'aime pas qu'on m'invente des vies. On est en tant que victime et là Maïva, tu fais juste peine à voir parce que tu, comme si t'avais pas déjà assez créé le truc, tu veux continuer à surfer sur la vague, continuer à envoyer des grains parce qu'on sait qui sont les gens derrière toi. T'es juste le toutou qui aboie face cam, mais on sait qui est derrière toi. Dire qu'on paye des blogueurs, c'est n'importe quoi. Dites-moi qui est le blogueur qui a été payé et qui l'envoie la facture dans ce cas-là, qui me montre, comme ça je deviens blogueur moi aussi pour gagner de l'argent. Non mais sérieux, c'est vraiment n'importe quoi. Vous êtes capable d'inventer tout et n'importe quoi, c'est ça votre problème, pour opposer sur des choses qui sont fausses. Tout ce qui a été dit, à part la conversation, tout est faux. Il n'y avait rien d'autre, il ne s'est jamais rien passé. Cette fille-là, je ne l'ai jamais vue, ni rien en privé. Jamais de toute une vie. Donc, m'inventez pas des vies, s'il vous plaît. En plus de ça, parce que je ne devrais vraiment pas faire des snaps, là, j'ai une vie privée à gérer qui est bien plus importante. J'ai des problèmes à gérer, j'ai une famille à gérer. Et au final, je me retrouve à faire des snaps pour devoir m'expliquer publiquement parce que je suis un personnage public, parce que ça fait partie de ma vie à l'heure actuelle. Et parce que ben, les gens, ils m'inventent des vies. Ça, c'est pas possible parce que comme toutes les personnes du monde entier, j'ai des parents, j'ai des gens qui m'aiment, j'ai ma famille aussi. Et en fait, m'inventer des vies comme ça au quotidien, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Inventer. Et là, tous les petits blogueurs qui viennent rajouter leur grain de sel, ceux qui sont en manque de vues toute l'année, en fait, vous les voyez là maintenant, ils sont tous de sortie. Tous à essayer de rajouter une histoire, tous à essayer d'inventer un petit truc en plus pour que leur snap soit un peu mis partout, qu'ils soient en tête d'affiche sur Instagram. Et comme ça, leur blase, ils tournent et leur snap, ben, y a des ajouts et ils font plus de vues. Et après, ils peuvent faire des placements de produits. C'est exactement ce qu'ils essaient de faire. Et du coup, ils s'en foutent complètement de tout le mauvais qui pourrait sortir. Mais c'est pas grave dans tous les cas. C'est la vie, c'est la triste réalité de ce monde. En tous les cas, moi, je vais m'occuper de ma femme, de mes enfants. Juste, s'il vous plaît, arrêtez d'inventer des conneries de malade. On n'est pas compte à quel point ça peut aller loin les réseaux sociaux. Cette histoire, c'est une histoire du privé. Ça devrait être une histoire du privé à la base. Maintenant, c'est public. Tout le monde en paye les conséquences. J'ai merdé. Et à cause de ça, ben, du coup, ma femme est triste. Sauf que là, c'est multiplié fois 20 000 parce que c'est sorti sur les réseaux à cause d'une femme qui est inconsciente. À cause d'une fille, c'est même pas une femme. À cause d'une fille qui est inconsciente, qui fait des conneries toute l'année, qui fait n'importe quoi sur les réseaux toute l'année. Et vous la considérez comme un exemple, elle, s'il vous plaît. Comment elle peut oser parler elle-même? Comment elle peut oser parler et faire des trucs comme ça? Et continuer sa méchanceté, continuer sa méchanceté, continuer à rajouter des grains et personne ne dit rien. Comment c'est possible? Je comprends pas. Je comprends pas où est-ce qu'on fonce. Quand la fille, elle dit à ma femme, je vais te pousser au suicide avec tout ce que je sais, je vais te pousser au suicide. Quand elle dit à mon meilleur ami, et j'ai des notes de jour, on a tout. Hein. Quand elle dit à mon meilleur ami, t'inquiète pas, quand tu vas rentrer en France, t'es mort, c'est impossible, tu mets pas un pied en France, je vais te monter en l'air, tu vois, je vais t'envoyer une équipe en gros. Quand elle dit ça, vous trouvez ça normal? Mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on fonce dans un mur? Ça dépasse tout là. Ça sera ma dernière story par rapport à ce sujet. Juste une chose, vous savez, ma tête, je la baisserai pas. Ça veut dire, t'as beau dire ce que tu veux, inventer tout ce que tu veux sur tes réseaux, ma figure, elle restera là. Et je resterai la tête haute et je me lèverai toujours plus fort. Tout ce que tu plantes, je vais les enlever, cicatriser et revenir encore plus fort. Ça me dérange pas. Et j'embarquerai ma femme et ma famille avec moi. Parce que moi, le plus important pour moi à l'heure actuelle, c'est que tout le monde soit en bonne santé. Ma femme, elle est en bonne santé. Ma mère, elle est en bonne santé. Mes enfants, ils sont en super bonne santé. Et pour moi, c'est ça le plus important grâce à Dieu. Tout le monde est là. Tout le monde est vivant et tout le monde est en bonne santé. Maintenant, vous voulez continuer à parler sur les réseaux, continuez. Mais arrêtez de m'inventer des vies. Moi, tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit. Je ne parlerai plus de ce réseau. Là, je ne parlerai plus de cette histoire parce que c'est une histoire qui est lors du privé normalement. Vous voulez faire votre buzz, continuez votre buzz. Moi, je vais continuer ma vie normalement parce que grâce à Dieu, je suis toujours là. Et il y a des personnes qui n'ont pas la chance d'être sur cette terre. Il y a des personnes qui n'ont pas la chance d'avoir la vie qu'on a. En tout cas, moi, je vais en profiter et je vais